J'espère que vous allez tout très bien. Bienvenue dans le vlogmas numéro 5. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je suis chez ma soeur. Pour tout le monde, ouais, je suis ailleurs. Je suis chez ma soeur, voilà. Donc ici, je vais commencer à travailler français. Hein. Je vais essayer de recommencer mes interros, toutes mes interros, pour être sûr. Donc j'ai l'examen après-demain. Je sens que ça approche, hein. J'avoue que moi, je suis pas stressée dans le sens de répondre. Parce que si je connais, je vais pas être stressée. Mais je suis stressée dans le sens des cotes, voilà. Et j'ai peur de me dire, ouais, ouais, ça a été, puis au final, t'as pas été du tout, quoi. Et je sais que je me fais stresser le plus, c'est les cotes. Sinon, les examens à eux-mêmes. C'est comme si je passais des interros, et quand je passe des interros, je suis pas stressée, donc voilà. Je suis vraiment en train de me dire, je craque, je suis obligée de repasser les examens, donc c'est ça qui fait qu'un petit peu, voilà. Mais bon. Donc, je suis rentrée de chez ma soeur. Donc, sinon, aujourd'hui, j'ai pas expliqué un petit peu ma journée, puisque aujourd'hui, j'ai pris, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de mère, comme on va dire. Comme ça. Ouais. Parce que, à la base, ce matin, j'avais 4 heures de cours, de 8h30 à midi, c'est à mercredi, quoi. Et, ils ont commencé par français. Et sauf qu'on arrive et tout, on dit oh non, on va avoir révision de français, vu qu'on a examen là-dessus après-demain, enfin voilà. Sauf qu'on nous annonce que la prof n'était pas là, donc on va à l'étude, sauf que la prof de maths débarque en disant vous pouvez aller en classe, sauf que la prof de maths avait carrément oublié et qu'elle avait cours, enfin voilà quoi. Donc du coup finalement on est resté en classe pendant que les jours manifestaient avec les gilets jaunes. Et puis alors, après, on a eu une heure vraiment de travail, de révision, puisque la dernière heure, c'était de présentation orale de leur identité. Voilà, voilà. Donc, en bref, j'ai eu une heure de cours aujourd'hui. C'était hyper chiant. Et demain, je sais pas du tout, j'aurai 4 heures ou 2 heures. Puisque j'ai 2 heures de français et 2 heures de psychologie. Voilà. Mais bon, on verra ça demain. Donc sinon maintenant j'ouvre ma case numéro 5, en plus je l'ai déjà ouverte, je vous ai même pas attendu, non mais voilà quoi, allez c'est parti. Donc voilà mon calendrier d'avant de long, je rigole parce que papa trouve un truc pour l'anniversaire, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ben le voici, il est beau hein. Et donc je vous montre ben, les trucs des autres jours. Donc ça c'était le premier jour, une palette, ben il n'y a pas de couleur dessus mais à mon avis je suppose qu'on va voir les couleurs. Ensuite, on a eu un mascara. Voilà le mascara. Un tout petit. Ensuite, on a eu une palette. C'était du fard à paupières, je ne me trompe pas. Avec des belles couleurs en plus. Ensuite, hier, j'ai reçu un tel crayon. Et un pinceau, comme ça s'appelle. Voilà. Et aujourd'hui, la case numéro 5, elle est ici. Et j'ai reçu un blush. Voilà, voilà. La case numéro 5. Et demain, c'est là. Donc voilà pour le cinquième jour avec mon petit blush. Donc hâte demain, le jour de la Saint-Nicolas en plus, ben, d'avoir la case. Qu'est-ce qu'on aura comme case? Mystère. Donc sinon, là, on va manger. J'allais manger un hamburger. La vie s'est trompée d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et ben, je vous souhaite bon appétit pour ceux qui regardent ou qui mangent pendant qu'ils regardent la vidéo. Et donc, ici, à partir de demain, je vais essayer, hein, au fur et à mesure, de poster des vlogmas plus tôt, puisque j'ai fini à midi, et voilà, quoi, pendant mes pauses, si vous voulez. Eh ben, moi, je vous laisse, et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas.
Parce qu'après, je vais aller me doucher, tourner une vidéo pour un anniversaire, et puis après, je vais aller me coucher pour être en pleine forme demain pour attaquer une nouvelle journée. Ciao! Et à demain pour le prochain Vlogmas.